Salut à tous, c'est le Gratteur Fou, c'est l'heure de la reprise des machines à sous, donc direction The Big Deal de Luxe, on part avec 3578. Alors est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va se faire torcher? Bonne question. Allez, 4315, on va commencer avec ça. Bon, machine à sous comme les autres, jeu qui paye quand il a envie, puis des fois il paye que dalle, donc on verra bien. Bon, bien sûr, pas besoin de préciser que sur le long terme, le gagnant c'est le casino. Perdant, ça commence mal. Alors, on a déjà cramé 600 balles, le jeu paye pas grand-chose pour le moment. Cherche des spins qui payent, mais là apparemment c'est. Alors un petit troisième, un petit free game peut-être. Non. Prends les légumes 375. Sinon, je t'assurerais bien la super mise, plus de chances d'avoir les free games et. On va éviter cette option pour le moment. Alors, un joli win. Big win de combien? 1500 balles, tant mieux parce que. Alors, bénef, sans déconner, on avait commencé à 3005, on a 4002. Merci à ce joli win. Allez, free game, troisième carte. Non. Un triple don. Allez, 375 sur plusieurs lignes, 1100 balles. Eh ben tant mieux, le jeu se réveille un petit peu, il commence à raquer un petit peu. Il a même bien raqué jusqu'à présent. Ça c'est joli aussi. 500, 150. On a 5007. Je me tâte pour me barrer de ce jeu, faire basculer sur un autre. Mais on va voir si on balance les super free spin. Non. Malheureusement, non. Non plus. Alors 3005, 5005, 2000 balles bénéf pour le moment. Tente-t-il de se faire rebouffer. Par hasard, un petit win supplémentaire. Alors, on va essayer la super mise, plus de chances d'avoir les free games. Allez, go! En espérant qu'elle sorte, car sinon le solde va se prendre une bonne tarte. Non, pas encore. Bon, après, plus de chance, ça peut être un jeu de mots. Enfin, je prends un exemple, peut-être une chance. En supposant qu'il y a une chance sur 1000. Si nous balance 2 chances sur 1000, vous voyez, il y a plus de chances, mais bonne chance quand même. Alors, on va se faire cramer le win. On dirait que c'est en bonne voie.
Super mise pour les 3 scatters. On est en train de cramer les 2000 balles de BDF. Bon, allez, il est pas là. Et voilà, 2000 balles de BDF qui sont fait rebouffer. Super mise, super free game qu'on n'a pas encore eu. Ah bah c'est là qu'on regrette, j'étais prêt à basculer sur un autre jeu, c'est là que tiens, bah j'aurais mieux fait de... Bon, on pouvait pas prévoir, pas de free game toujours pas. On va peut-être virer la super mise. Alors double wild. Eh ben tant mieux, il va nous recracher un big win, un joli big win, même plusieurs 350, des 52-50, 3003. Ouais, bon on va faire le spin malchance, puis basculer sur notre jeu. Eh ben sans déconner, remontée miraculeuse. Allez, direction le hot hot fruit. Alors 6161, joli score sur le précédent jeu. Allez, 52-50. Est-ce que cette machine va bouffer le bénéf du jeu précédent? C'est fort possible, il suffit que le jeu paye que dalle pendant une plombe et c'est vite réglé. Si par chance le jeu aura quelques big wins, on va peut-être faire gonfler le bénéf. Bon, bien sûr, c'est jamais évident avec ce genre de jeu. Les fonctions activées, tant mieux. Allez, c'est free game. Est-ce qu'on va se taper du symbole statique? Il nous faudrait du win, pas de win le rat. Ok, premier win. Bon, ça, c'est les options intéressantes. Quand on a un gros win d'entrée, bah, c'est des wins à chaque resmith. Bon, bien sûr, ça marche pas à tous les coups. On a du wild en plus. Ok, 577, on dépasse le x10 par rapport à la mise. Alors 5007, on avait commencé à 6100. Mise max 75. Pas de second round de free game quasiment d'affilée. Allez, refonction activée du win-win d'entrée. Alors, est-ce qu'on va se taper du symbole statique? Malheureusement, non. Premier petit win. Pas terrible. Il faudrait du wild du symbole. Malheureusement, non. Et voilà, pas terrible sur les free games. C'est pas terrible. 142. Bon, on remonte à 5000 balles pile poil.
les 4002. C'est opération réduction du solde. Ah, les fonctions activées, troisième round de Free Games. Est-ce que celle-là va raquer? On nous fait la même, pas de win d'entrée. Ah, les pastèques, rouleau 4, rouleau 5. Est-ce qu'on a du bol? Non, pas de wild, pas de pastèque. De Free Game. Alors, sur la dernière. 367, 840, un petit peu mieux que les précédentes. On remonte à 4006, on avait commencé à 6100, donc toujours avantage pour la machine à sous. Voyons voir celui-là. 7, 8, 9, combien 2008. 2008, ça change tout. 7004, voilà, on s'est fait défense en et remonter, donc hop. Un petit spin, merci, au revoir. On bascule sur un autre jeu. Allez, go sur le total Halloween. Donc pareil, jeu avec symbole statique pendant les free games. Bon, déjà, faut d'abord gagner les free games. Encore faut-il qu'il win par la suite. Allez, mise à 50, c'est parti. 7003, hop, score à battre. On a quand même des hauts et des bas sur les deux précédents jeux, mais au final, alors, ça est quand même bien tiré. Qu'on a eu la chance d'avoir la super option Big Win. Alors, un petit joker split et fonction activée d'entrée. Free game à 50 balles, pareil. Donc, est-ce qu'on va avoir du win d'entrée, des symboles statiques? Non. Pour le premier, 122. Un peu de symboles en plus, peut-être. Dernière partie, un petit wild. Eh ben quand même, 1300 balles de win, remonte à 8002. Bon, ça c'est la chance du débutant d'avoir les free games d'entrée, c'est pas tous les jours. On va réduire les mises pour un petit moment. Alors, il nous manque 1700 balles pour arriver à 10 000. Bon courage. Bon, bien sûr, arrive à 10 000 balles, il suffira d'un big win et puis on y est. Bon, ne pas oublier bien sûr l'option de longue série de spins perdants qui peuvent très bien faire déglinguer le solde. C'est vrai que des fois ce genre de machine balance une série de des séries de spins perdants, c'est relativement impressionnant. Allez, 525. Allez, joker split, big win 750 et avec les free games. Alors on a 8000 cash, j'avais commencé à 7003, donc pour le moment le bénéfice tient la route.
Allez, l'option, ça passe sous sa casse, mise à 70. Bon, là, ça peut très vite plomber le solde. 10 spins perdants, c'est moins 700, ça peut aller très très vite. C'est à espérer que le jeu ne balance pas de très longues séries de parties perdantes. Il est pas mal, 8002. Bon, on est en train de se faire cramer le bénéfice de ce parti, un petit big win qui est tombé pile poil au bon moment. Et celui-là aussi est joli. Alors on va pas faire semblant, on va refaire le dingue, les mises à 100 balles. Allez, free game big win, ou big que dalle. Le bénéfice du coup, on est repassé en dessous des 7003. Alors on baisse un peu les mises. Alors retour des free games. Ou le retour des big wins serait pas mal quand même. Hop, mise à 50. Donc voilà le résultat, je joue en haute mise, il a payé que dalle, donc il a bouffé le bénéfice bien plus. Bon, certes, si ça avait payé, je me serais pas plaint, mais là, c'était l'inverse. Retour à la machine. Alors, 2005, ok. Alors, 8100, on avait commencé à 7003, 8100, c'était fait défoncer. On est remonté, du coup, hop, on va faire ça. Un spin, et merci, au revoir, le hot hot Halloween. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée de se barrer. Alors, on va vérifier l'humeur de Miss Medusa. Allez, 50 balles la mise, 52-50, c'est parti, on part à 8000. Facteur chance avec les trois jeux précédents, c'est pas garanti qu'on puisse poursuivre dans ce lancer. Généralement pour le facteur chance et le facteur retour au casino.
mousquetaire, non. Triple scatter, c'est pour que ça tarde pas trop, on est fait que je prends une plombe. Et encore, des fois ça sort jamais. Allez, rouleau 3, rouleau 4, rouleau 5, rouleau 6, 4 chances d'avoir le troisième. Et ben on l'a eu. Sans déconner, on l'a eu, c'est parti. Alors est-ce qu'on va avoir l'option rarissime, les big symboles rouleau 1 et 2 et rouleau 5 et 6. Vraiment rouleau 1 et 2. Bon, ça arrive pas très souvent, faut pas trop rêver. The Big Win 1000 balles. The Big Win 1000 balles. On avait commencé à 8100, on a 8002. On va voir sur les spins restants. Malheureusement, on n'a pas eu des big symboles roulant les deux. Un petit wild ici. Alors, quand même, 2000 balles, remonte à 8006. 500 balles de bénéfice pour le moment sur ce jeu. C'est une belle série de spins perdants. Ah ouais, non, mise max, ouais, c'est un peu trop, voire beaucoup trop. Les tentatives, je reste sur les mises à 75 jusqu'à 6000. Dès que c'est en dessous de 6000, on repasse sur les mises à 50. Alors, Big Pegasus Bordel, Big Pegasus Bordel, avec mes Sinister percés. Une balle pile poil. Eh ben quand même, j'ai baissé 1008. 8800 balles, ouais. Allez, 4 chances pour avoir le troisième. Voilà, 4 chances de paumer.
Et 9 secondes d'édition, il s'est rebarré puissance 10. Alors va-t-il avoir remonté du sol au-dessus de la barre des 8000? Peut-être bien quitter avec nous, de toute façon. C'est jamais trop constant d'unir avec ce genre de jeu. Parce qu'on va passer en dessous de la barre des 5000. On dirait que c'est parti pour. Et non, pas troisième. Allez, test chance. Eh ben, le test chance, ce fut un test. J'ai pas de chance. Game Big Win, il n'y a plus rien. Enfin, s'il y a le solde qui gringole. Allez, stop, pas troisième. Et ben, sans déconner, on va retomber à 3005, on aura cramé le bénéf des trois précédents jeux. Au moins, c'est le retour à la réalité des casinos. Voilà, t'as gagné. Ben non, ben, tu avais au passé. Allez, free game. Est-ce qu'on va avoir l'option générosité? On n'a pas l'option big symbole, rouleau 1 et 2. Alors bordel, ça aurait été mieux si on l'avait sur le rouleau 1 et 2. Ah, 1000 balles de win. Pas eu le super big win, le super speed magique, mais bon. Alors on a quand même récupéré 1006. On termine à 5004, on avait commencé à 8100 sur cette partie, donc elle a bien rogné la balance. Allez, c'est l'heure du dernier spin. On la spin rien du tout, merci, au revoir. Il y a quand même des hauts et des bas.